Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas parler rien du tout, sauf maintenant. C'est juste une vidéo où vous allez me voir broder. Voilà. Alors c'est une nouvelle broderie que j'ai commencé en point compté, que j'ai commencé il y a quelques jours. J'essaye, alors il y a plusieurs motifs sur cette broderie, et donc j'essaye de faire un motif par jour. Il y en a une trentaine à faire, et donc là pour l'instant ça va, je tiens le rythme. Donc aujourd'hui vous allez me voir faire un motif de cette broderie. Alors cette broderie s'appelle le Norwegian Sampler, donc ça vient de la boutique, alors j'ai fait mon petit mémo puisque c'est pas en français. C'est une boutique Etsy, Clive Side Stitch. J'espère que je prononce bien. Donc la designer, c'est une, alors je crois qu'elle est en Angleterre. Je suis normalement, oui, elle doit être en Angleterre. Elle s'appelle Madeleine. Elle est brodeuse, designer, voilà, pour la broderie, bien sûr, spécialisée dans les interprétations modernes et de motifs traditionnels à travers le monde, voilà. Et j'aime beaucoup ce genre de broderie, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je prends beaucoup de plaisir à broder ce genre de motif. Donc, moi, déjà, à la base, moi, les samplers, j'aime beaucoup ça. Mais là, je sais pas, j'aime beaucoup, tout simplement. Alors, le mien, celui que j'ai choisi, se fait en quatre couleurs. Donc, voilà, hein, il n'est pas gourmand en couleurs. Quand vous achetez la grille, voilà, je vais réussir à le dire, vous avez trois versions. Que vous recevez, hein, bien sûr, que vous allez télécharger. Vous avez la version tout en noir, vous avez la version 4 couleurs, donc il y a du noir, du rouge, du bleu et du marron clair, voilà. Et la troisième version, j'ai oublié. La troisième version, ah c'est en deux couleurs, je crois que c'est rouge et noir, voilà, pour ce modèle-là. Mais après, il y a plein de modèles dans sa boutique, plus beaux les uns que les autres. Quand j'aurai fini celui-là, j'en referai certainement d'autres, parce que j'aime vraiment beaucoup son style. Donc là, bah, vous allez me voir broder pendant plus d'une heure, hein. Voilà. Donc, préparez. Si vous avez envie de vous reposer dans votre canapé en train de regarder ma vidéo, allez-y. Hein, vous prenez votre petit chocolat, votre petit thé, votre petit café, votre petit biscuit, tout ce qu'il faut. Voilà. Je vous ai mis ça en musique. Je sais que je vais vous faire une vidéo silencieuse, mais ça, je la préparerai le soir. Parce que la journée, c'est impossible, hein, de faire une vidéo silencieuse. Donc ça, je vous la préparerai le soir, dans la semaine certainement, je verrai. Donc voilà, comme ça vous allez découvrir la nouvelle broderie, voilà, je cherche, que j'ai commencé. J'en ai commencé une autre. je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais bon, je vous parlerai ça dans le Flosstube. Une de mes abonnées m'a offert une grille de chez Etsy de Svetlana Kishta. Bon, vous avez compris, hein, celles qui connaissent, je ne sais plus dire comment. Et elle est très très belle. Je l'ai commencée hier soir. J'aurais voulu attendre, mais j'ai pas pu. Mais bon, c'est une petite, hein, donc ça va. Donc vous verrez ça pendant le Flosstube. En même temps, bah, vous verrez comme ça où j'en suis arrivée au sampler. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le Flosstube. Là, il reste quoi, une semaine pour finir le mois. Donc je la ferai peut-être dans une semaine pour être début avril. Voilà.
Allez, je vous laisse visionner. Dites-moi si vous faites ce genre de broderie. Est-ce que vous avez déjà été dans cette boutique, enfin, sur cette boutique? Et est-ce que vous avez déjà pris les grilles? Est-ce que vous en avez déjà fait? Dites-moi tout. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.
Thank you.